Explos, salut, quel plaisir de vous retrouver pour une super matinée ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage vers la terre promise. Vous voyez ici, en rouge, tout le chemin que le peuple de Dieu a déjà effectué. Nous en sommes ici. C'est ici que Dieu a demandé à Moïse d'appeler Josué pour lui succéder et prendre la tête du peuple de Dieu. Les Explos, je vous emporte avec moi dans la Bible en bande dessinée. Un nouveau chef. Og, roi de Bazan, lance son armée sur les Israélites. Mais elle bat bien vite en retraite. Le roi vaincu essaie de s'échapper. Tous après lui! Attrapez-le! Le roi Og est capturé et les Israélites s'emparent du pays. Ils installent leur tente dans les plaines de Moab. Nos tribus de Gad, de Ruben et la moitié de celle de Manassé aimeraient s'établir ici. Nous le permets-tu? C'est possible, mais vous devez participer à la conquête de la terre promise avec le reste du peuple. C'est d'accord, Moïse, tu peux compter sur nous. Pour la deuxième fois, le peuple d'Israël est à la frontière du pays promis. Cette fois-ci, ils n'ont pas peur, ils sont courageux. Les hommes parlent des troupeaux qu'ils auront bientôt. Les femmes, elles, rêvent de belles maisons tranquilles. Un jour, Moïse appelle Josué. Dieu m'a dit que ma mission était presque achevée. Un nouveau chef conduira le peuple dans la terre promise. Un nouveau chef? Mais Moïse, qui pourrait te remplacer? Toi, Josué.
Moïse monte sur le mont Nebo afin de contempler la terre promise. Là, seul avec Dieu, il meurt. Au camp, Josué demande l'aide du Seigneur qui lui répond « Fortifie-toi et prends courage, l'Éternel ton Dieu est avec toi. » Les Israélites pleurent Moïse pendant un mois, puis Josué les rassemble. Les combats seront durs, mais Dieu a promis de ne pas nous abandonner. Nous t'obéirons comme à Moïse. Dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain. Nous devons prendre Jéricho, mais il nous faut des renseignements sur cette ville. Je veux attirer votre attention sur Josué. Josué demande de l'aide au Seigneur et je pense qu'il a peur. Peur de quoi ? Peur peut-être de ne pas être à la hauteur ? Peur de ne pas réussir la mission que Dieu lui donne ? Peur que le peuple ne soit pas d'accord, ne l'écoute pas, et que tout simplement il ne réussisse pas ? Et oui, les exploits, on a le droit d'avoir peur. Mais venez avec moi dans la Bible. Au livre de Josué, 1er chapitre, je vais vous montrer 3 versets que j'ai surlignés pour que vous puissiez lire avec moi plus facilement. Au verset 5, Dieu dit à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Au verset 7, « Sois fort et très courageux. » Répétons ça. « Sois fort et très courageux, et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Et au verset 9, « Je t'ai demandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur. » les exploits, « Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. » Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Vous entendez cette promesse, les exploits? Soyez forts et courageux, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Car le Seigneur votre Dieu, je pourrais dire notre Dieu parce que moi aussi j'ai besoin d'avoir du courage, sera avec nous. Partout où nous irons. Prends un papier et un stylo ou un feutre. Réfléchis, puis écris ce qui te fait peur. Tout en écoutant ce passage du chant « Courage, vas-y, tiens bon » de LTR Musique, association Laisse-moi te raconter. Il faut un nouveau chef. Qui sera notre chef? Toi, Josué, lève-toi. Josué, prépare-toi. Toi et tout le peuple, ce fleuve, traversez-le. Voici, je vous donne tout cette terre, c'est à vous. Désert, montagne, cailloux, c'est pour planter vos choux. Au-delà du Jourdain, le sol cananéen. Pays de lait, de miel, c'est pour vous Israël. C'est votre territoire, je connais toute l'histoire. C'est moi le seul vrai Dieu, je règne dans les cieux. T'abandonne pas. Toi, écoute ma voix. Obéis à ma loi. Et tu réussiras tout ce que tu feras. Courage, vas-y, tiens bon. Dieu est avec toi.
tâche pour les explorateurs. Courage. Dieu veut aussi renouveler ton courage. Quelles sont tes peurs? À l'école? Peur de ta maîtresse ou d'un autre adulte? Peur des contrôles? Ou alors peur d'être mis à l'écart par tes copains? Ou peut-être peur de ta rentrée en sixième? Alors, courage, sois fort, Dieu est avec toi. Peur d'être malade? Peur du Covid? Alors, sois fort, Dieu est avec toi. Courage. Peut-être as-tu peur également qu'un méchant ou qu'un voleur vienne? Alors de nouveau, notre message pour toi. Courage, sois fort, Dieu est avec toi. Peur de la nuit? Peur des cauchemars? Peur du noir? Des éclairs? Alors... courage, sois fort, Dieu est avec toi. Peut-être... es-tu triste? Peut-être es-tu fatigué, découragé? Alors, courage, sois fort, Dieu est avec toi. Tu as également besoin de courage pour vivre ta foi en Jésus chaque jour, pour aimer. Même si tu te sens rejeté, pour obéir, sans faire ce que tu veux quand tu veux, pour dire la vérité, au lieu de mentir ou dire des gros mots, pour dire merci. On se plaint si facilement, alors courage! Sois fort, Dieu est avec toi. Je vous propose une petite activité manuelle, la carte accordéon, les promesses de Dieu pour toi. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, courage, sois fort. Alors, comment confectionner cette petite carte accordéon? Tu prends une feuille à quatre. Tu fais une petite marque jusqu'à ce que tu arrives à l'autre bord de ta feuille. De ce côté également, puis tu joins tes deux repères et tu traces une ligne bien droite. Tu continues sur l'ensemble de tes repères jusqu'à ce que tu aies toutes tes bandes. Enfin, tu n'écris rien sur la première bande et tu regardes bien mon modèle pour écrire chaque phrase. Les promesses de Dieu pour toi, puis rien, tu continues, jusqu'en bas.
Enfin, pour le pliage, tu plies sur le premier trait. Sur le deuxième trait, tu plies dans l'autre sens. Le troisième trait, tu plies à l'identique, comme pour le premier trait, de ce côté. Alors que le quatrième sera plié comme pour le deuxième. Et enfin, tu continues pour faire ta carte accordéon. Tu peux la ranger comme ça ou la déplier à chaque fois que tu as besoin de courage. Tu la mets près de ton lit et tu peux la lire. Voilà, courage petit explo, sois fort. À bientôt.